On est le jour de la Saint-Valentin les gars, et c'est après 22 ans d'existence que je vais enfin passer une journée de Saint-Valentin avec ma petite copine, les amis, puisqu'aujourd'hui je vais la challenger sur ce death run Fortnite. Mais avant toute chose les gars, cette vidéo est en collaboration avec Nakon. Nakon m'a gentiment envoyé leur nouvelle manette Révolution X. Vous trouverez le lien en description pour pouvoir se procurer cette nouvelle manette. J'ai aussi un code promo qui s'affiche juste ici pour obtenir 10% sur la manette. Voici la boîte de la manette, et à l'intérieur les gars, comme vous pouvez le remarquer, on a une petite housse. On va unboxer ça ensemble. Comme vous pouvez le remarquer, juste après on peut retrouver la manette. En vrai la manette elle est vraiment magnifique, tout en noir juste ici. Là nous avons une petite boîte avec des accessoires, et bien sûr on peut y retrouver bien sûr le câble pour connecter la manette. Pour rappel les gars, Nakon c'est une marque française qui est reconnue pour ses manettes pour la compétition et pour l'e-sport, maintenant disponible sur Xbox et PC. La nouvelle Révolution X, c'est une manette pour les joueurs compétitifs avec plus de 41 options de customisation. Comme je vous ai montré les gars, dans la sacoche on peut y retrouver des accessoires. Ce sont des poids qu'on va pouvoir ajouter à la manette. Alors il y a des poids qui diffèrent bien évidemment. Nous avons aussi des joysticks, parce qu'on peut effectivement customiser la manette comme on le souhaite. En vrai ça c'est génial, j'adore le fait de pouvoir personnaliser à ma manière la manette. Ce que je kiffe encore plus avec cette manette, c'est qu'il y a 4 boutons palette derrière shortcut. Ça permet d'avoir des raccourcis. Par exemple, je peux attribuer la touche saut sur l'une des 4 touches qui est juste là. Pour adapter les poids de la manette, si vous souhaitez par exemple avoir une manette un peu plus lourde, les gars, il suffit juste de se procurer les poids et ouvrir la manette par ici. J'ai le poids juste ici et je vais le mettre sur la manette et puis on va refermé. La manette inclut le son Dolby Atmos pour casque, et elle est filaire pour un minimum de latence et ne jamais avoir de problème au niveau de la batterie. Là on se retrouve les gars sur le logiciel Révolution X, un logiciel que vous devez télécharger sur le Windows Store lorsque vous connectez votre manette, et ce logiciel en question va nous permettre de customiser comme on le souhaite la manette. Alors on est parti, on clique sur gestion des profils. Comme vous pouvez remarquer au dessus on a 4 profils différents, et on est parti du coup pour modifier un profil. Et comme vous pouvez le remarquer juste ici, on peut modifier toutes les touches qu'on le souhaite. Comme vous savez sûrement, comme Fortnite c'est un jeu très agressif, il y a beaucoup de choses à faire, il est très intéressant de toujours rester les pouces sur les joysticks. Et justement on va en profiter, comme on a la Révolution X les gars, on a des palettes derrière, on va attribuer des touches pour par exemple sauter. Je vais choisir par exemple la gâchette qui se trouve juste ici, donc c'est juste là. Je vais lui attribuer la touche A, c'est la touche sauter. Du coup maintenant quand j'appuierai sur la palette juste ici, ça va me faire sauter sur Fortnite. Comme on va faire un death run juste après les gars, c'est vraiment très très utile. On va retourner devant, et comme vous pouvez le remarquer en haut, on peut aussi augmenter la courbe de réponse au niveau des joysticks. Donc on a 5 modes, le mode linéaire, le mode réactif, le mode boosté, le mode immédiat, le mode réactif. En vrai là dans cette vidéo on va faire un death run, je pense on va plutôt mettre le mode réactif. Ensuite, quatrième customisation que nous avons, comme vous pouvez le remarquer, il y a pas mal de customisation pour cette manette Révolution X, c'est vraiment génial. On va pouvoir customiser les gâchettes, au niveau des gâchettes qui se trouvent juste ici. Comme Fortnite c'est un jeu où on se combat entre joueurs, je préfère utiliser personnellement le mode court. Ensuite les gars, nous avons le mode audio. Regardez ici, on peut choisir ce qu'on veut. Du coup ici c'est pour les jeux de course, les jeux de sport. Ici les jeux d'FPS, les jeux d'arcade, les MOBA et les discussions. Moi personnellement je dirais que Fortnite ça ressemble plutôt à un FPS, du coup je vais mettre FPS. Et dernier réglage que nous avons à notre disposition sur cette manette Révolution X, par exemple ici on a la vibration, donc on peut augmenter la vibration. Moi personnellement j'adore quand ma manette elle vibre de fou, du coup je vais mettre la vibration à 100% gros des deux côtés. On peut bien évidemment customiser la couleur de notre manette. Par exemple si je veux avoir une couleur rose, hop. Et regardez sur ma manette ce que ça fait les gars. C'est vraiment rose et bleu, c'est vraiment trop stylé. Je peux même rajouter des effets les amis. Regardez, j'ai mis des effets cycles et ça fait des tourbillons. Gros, c'est vraiment génial. Bref, en tout cas, ce logiciel est très complet. Du coup, si vous disposez de cette manette Révolution X, n'oubliez pas d'utiliser ce logiciel, c'est très important. Alors Blandine, est-ce que tu es prête pour ce death run Saint-Valentin ou pas là? Ah ouais, je suis trop chaude là. D'ailleurs bébé, avant de commencer, moi je te propose qu'on se fasse un câlin. Allez, c'est parti pour faire un câlin d'amour les gars. C'est incroyable les gars, parce que c'est après 22 ans que j'ai enfin une copine avec qui fêter la Saint-Valentin. Ça c'est vraiment génial. Merci Blandine en tout cas. Et du coup je m'étais dit pourquoi pas, ah bah t'es déjà morte, pourquoi pas tenter de réussir un death run. T'arrives même pas à faire le deuxième saut. Mais non mais t'abuses la Blandine. Mais tu sais très bien que je suis hyper nulle pour ça.
Oh non, mais c'est une blague, j'étais dessus. Si tu galères déjà à ce niveau-là, Blandine, ça va pas être facile pour le reste, là. Comment tu vas faire pour... Oh non. Regarde le petit nounours, là, il est trop mignon. Je m'en fous, moi, je te passe devant. Ouais, sérieuse, hein, ou quoi, là? Hop. Eh. Oh, on a de la gravité ultimement ultime de la mortadelle. Ah, ok, parce que j'allais dire comment tu veux sauter, c'est bah, trop loin. Oh, et c'est la gravité lunaire. En tout cas, les gars, comme vous pouvez le remarquer, je suis en train de jouer avec la manette Nakon. Elle est vraiment trop stylée. La prise en main est vraiment agréable. Attends, laisse-moi faire, Blandine, je vais bait le piège, si tu veux bien. Hop, et ensuite, faut baiter... celui-là. Mais Blandine, mais t'abuses, je t'ai dit de me laisser faire. Oh non, elle a... Bah du coup, je l'ai baité pour toi. Oh là là. Vas-y, vas-y, passe. Merci. Blandine. Let's go. Mais en fait, elle en profite juste après pour me redépasser. Non, mais c'est abusé, là. Oh, et bien sûr, je décède. Oh, je suis vraiment nul, là. Il y a Blandine qui est en train de me dépasser, les gars. C'est un truc de fou. Bébé, ça fait quoi de passer une Saint-Valentin avec moi? Bah, c'est clairement la plus belle Saint-Valentin de toute ma vie. En général, les Saint-Valentin, les gars, je déteste puisque je me retrouve toujours tout seul et je vois tout le temps les gens qui sont en couple à l'extérieur. Et franchement, ça m'attriste fortement. Mais les gars, ah, aujourd'hui, c'est moi. Bébé. C'est moi qui ai une copine. Attention. Oh, let's go. Au niveau, il réussit. Je suis devant toi, Blandine. Oh non, chou, mais à chaque fois, tu me dépasses. Bah oui, parce que c'est moi le plus fort. Allez, Blandine, s'il te plaît. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Parce que moi, il me projette de l'autre côté, en fait. Ah, mais il faut gérer sa trajectoire, Blandine. Allez, Blandine, tu vas réussir. Bien joué. Ne glisse pas. Attention. Bien vu. Oula. Attention, là, il faut bait les pièges, bien entendu. Ok, nice. Tout se passe bien pour le moment. Oh non, pas ça. Oh. Ah non, j'aime pas ça. Oh non, non, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Non, je fais n'importe quoi. Non. Non. Ah non, je suis passé devant. Wesh. Attends. Oh. Hop, nice. Ce qui est bien aussi, les gars, avec cette manette, c'est qu'il y a des palettes derrière. Ça me permet de sauter assez facilement, plus rapidement, tout en gardant mes pouces sur les gâchettes. Et ça, c'est vraiment génial. Mais attends, Blandine, qu'est-ce que tu fais devant moi, là? Je suis morte au bout, moi. Oh, ah, j'ai t'es pas morte. De chance. Ah, bah oui. Ouais. T'as foncé dans le mur, malheureusement pour toi. Let's go, je suis devant toi, Blandine. Allez, Blandine, tu vas le faire. Let's go, bien joué, ma femme. Oh non, mais en plus, ouais, voilà. Oh là là, nice, ça c'est bien. Par contre, il y a un bouton skip pour skip le niveau. T'as pas intérêt à appuyer dessus, hein, Blandine. Sinon, tu triches, hein, d'accord? Ok, ça va, j'appuie pas dessus. Hop, hop, oh. Allez, comment t'es mort devant moi? T'es vraiment trop nul, là, Blandine. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Faut les baiter, les pièges. Arrête de dire que je suis nul. Sinon, moi, je suis plus ta copine, hein. Tu passeras les autres Saint-Valentin tout seul, hein. Non, c'est bon, t'es vraiment très forte. Merci, je préfère. Vas-y, viens, je t'ai bête le piège comme ça. T'as vu, je t'aide en plus. Oh, ouais, alors. C'est gentil. Oh, alors là, ça, c'est un néo jump. Ça, tu risques de galérer, Blandine. Faut passer sur le côté et essayer d'aller toi. Ouais. Est-ce que tu vas réussir, on voit? What? T'as réussi? Attends, laisse-moi. Oh non. Ah ouais. T'étais pas assez bien concentré, Blandine. En vrai, ça, je pense, c'est vraiment compliqué comme niveau pour toi. Allez, on est reparti. Niveau suivant. Voyons voir. Alors, il faut savoir qu'il y a exactement 50 niveaux sur cette map, Blandine. La première personne qui atteint les 50 niveaux remporte cette vidéo. Ça te marche ou pas, là? Et du coup, celui qui perd doit offrir un bisou magique au gagnant. C'est sûr, Blandine, c'est toi qui vas m'offrir un bisou. Ah non, je veux pas te faire de bisous. Je t'en fais beaucoup trop. Hein? Quoi? Pardon? Toi, tu fais trop de bisous? Non, j'ai jamais entendu ça, moi. Oh, regarde, on doit sauter sur des nounours juste ici. Trop mignon. Ouais, c'est mignon, mais ils sont un peu loin, hein, bébé. J'ai vraiment du mal avec ce dead run. Ah bah effectivement, Blandine, à chaque niveau qui passe, la difficulté augmente, effectivement parlant. Bah en vrai, là, sauter sur des nounours, tu vas pas me dire que c'est compliqué, en vrai. Bien joué, ça. Tu sais, bait des pièges. Attention, là, on saute là-dessus. Hop, comme ceci. Moi, magnifique. Je triche. Oh, fais gaffe, hein, Blandine. Là, il faut aller, essayer d'aller tout droit. Oh, bah en fait, les pièges, ils ne s'activent même pas. Oh, merci pour le baitage, Blandine. Oh, let's go. Ah, jouer avec la manette Nakon, ça m'aide vraiment fortement à te battre. C'est vraiment génial. Oh, mais c'est pas juste. Pourquoi moi, j'ai pas une manette comme ça? Moi, j'en veux une aussi. Comment je dois faire pour m'en procurer, chou? Blandine, si ça t'intéresse d'obtenir cette manette, il y a un lien dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse. Oh, mais je vais aller l'acheter après la vidéo, du coup, parce que franchement, ça m'intéresse trop d'avoir cette manette, bébé. Et en vrai, d'après ce que j'ai vu, elle est vraiment plutôt sympathique. C'est clairement une manette pour les joueurs professionnels. Hop, magnifique. Le baitage de pièges. Je suis le pro
Blade Runner. Et c'est au moment où je dis ça que je décède. Oh non! Allez, vas-y, Blandine. En vrai, moi, je suis devant toi, gros. Je gère à baiter les pièges et t'as juste à passer. En vrai, c'est vraiment trop simple. Bah, c'est pas si simple que ça, hein. Franchement, j'ai du mal. En plus, j'aime tellement pas les Dead Run. Oh là là. Oh, ouais, ça se voit que t'aimes vraiment pas les Dead Run. C'est parce que t'es vraiment très forte. Arrête de te foutre de moi, Ninou. Sinon, t'as pas de bisous magiques. Ah, si, j'arrive au niveau 50 avant toi, j'ai un bisou magique de ta part, c'est sûr. Vas-y, là, du coup, tu dois passer sous le côté, Blandine. Voilà, magnifique. Une Blandine qui saute. Et là, on va aller tout droit, je l'imagine. Oui, nice. Comme ceci. Et hop. Niveau réussi. Mais comment réussi. T'as fait? Bah, t'as juste allé tout droit, Blandine. Oh non. Mais je suis allé tout droit, mais bah, non, j'ai vas-y, rien, moi. Tout droit. Non, mais pourquoi tu sautes dans le vide? Mais non, mais Blandine. Mais tu m'as dit d'aller tout droit. Oui, est-ce que je t'ai dit de sauter, Blandine? Donc quoi, je saute pas, alors? Voilà, comme ça. Voilà, mais voilà, t'as vu? C'est quand tu sautes pas que tu fais des plus gros sauts. Oh là là. Non mais bébé, j'en ai marre là. Ah, t'en as marre? Mais tu sais quoi, je vais te tryhard comme ça, j'arrive au niveau 50 et on termine ce genre non de choses. Si. Ninou, non. Si. Je te lâche, à partir de maintenant, je ne t'aide plus, d'accord, ok? Non, Chou, c'est pas gentil. Et comment ça, c'est pas gentil? Je trouve ça clairement gentil, en fait, là. Mais c'est un dead run de Saint-Valentin, on doit finir à deux, bébé. Ouais, mais moi, je veux un bisou, ok? Je veux un bisou magique. On peut pas skip? Ah, si. Quoi? Gros, quoi? Tu skips le niveau, là? C'est quoi cette triche? C'est de la triche d'Adèle, là, ce que t'es en train de me dire, là. Ouais, bah, toi, t'es super fort en dead run, donc déjà, le niveau, il est pas juste. Le niveau il est pas juste, mais c'est le niveau de dead run le plus simple que j'ai jamais vu de toute ma vie, Blandine, y a aucune difficulté. C'est pas vrai, il est super dur, moi j'en ai marre. Oh, Blandine, il ne me reste plus que 5 niveaux et j'ai réussi la map dead run. Oh, t'es vraiment pas prête. Oh, mais non, comment ça se fait que je meurs? Oh non, les gars, j'ai peur que Blandine me dépasse. Attention. Je suis au niveau, un niveau avant toi, bébé. Un niveau derrière moi, plutôt, c'est ah ça? Ah oui, derrière toi. Ah ouais, t'es juste mourir, là. Donc, oh yes, ah, bah, continue à mourir, Blandine, ça m'arrange, parce que non moi, j'ai bientôt fini la map, là. Non, je veux passer. Non, tu allez n'auras pas le bisou. Hop là, magnifique. Nice. Niveau 48, Blandine. Et attention, niveau 50, réussi, Blandine. Mais non. Attends, non, il faut que je réussisse au niveau. Attends, non, je suis au niveau 49. Il faut que je réussisse le niveau 50. Et après, j'aurai terminé la map. Mais non, je suis au niveau 47. C'est bon, j'ai réussi la map avant toi, Blandine. Let's go, Blandine. T'étais proche de me dépasser, mais c'est moi le plus fort dans ce Dead Run Saint-Valentin. Est-ce que j'ai mérité le bisou ou pas, là? Non. Quoi? Non, allez. Non, parce que t'es trop fort pour les Dead Run. C'est pas juste. Oh non. Bon, allez, je t'en fais quand même un petit. Ah, yes. Let's go les gars, le bisou magique. Les gars, il y a une trace sur ma joue. Je remercie bien évidemment Nakon qui a bien voulu collaborer avec moi pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous trouverez le lien de cette superbe manette dans la barre de description si vous souhaitez vous la procurer. Vous pouvez aussi profiter du code promotion de 10% qui s'affiche juste ici pour avoir une réduction sur cette manette. Blandine, est-ce que tu vas te la procurer? Mais d'office, elle est trop bien cette manette. Et pour la part les amis, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir vu cette vidéo. Tchuss. Bisous.